Donc, tout simplement, eh bien, j'en profite aussi parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer là, les jeunes Américains et de leur souhaiter évidemment la bienvenue. Et je pense que nous aurons l'occasion peut-être, avant le départ en tout cas, parce que le départ il vient très vite la semaine prochaine, comme nous avons en plus un week-end prolongé, de pouvoir nous rencontrer quand même un petit temps donc, au niveau de nos bureaux respectifs, voilà, pour qu'on puisse faire un peu échanger, surtout parler peut-être de la suite des opérations. Alors, que nous souhaitons fructueuses. Oui, et que vous n'avez peut-être pas encore abordé, mais c'est vrai que nous avons un nouveau souci qui se présente mais ce sont des soucis plutôt financiers, puisque la région nous place dans les 20 établissements expérimentaux, donc où la viabilisation est reprise en charge dans le cadre notamment de la dérégulation du gaz au 1er janvier 2015 et de l'électricité en janvier 2016. Et donc, avec une annonce un peu fatale, parce qu'on nous dit qu'il faudra restituer de l'argent dès le 1er septembre pour prendre les 4 douzièmes, voire plus, pour faire fonctionner, mais ce qui est normal. Le seul souci, c'est que nos budgets, alors qu'il est, fonctionnent dans le cadre de la RCDC, avec une fongibilité qui fait que, si ça se trouve, nous avons peut-être déjà puisé dans les économies faites sur la viabilisation pour abonder les activités pédagogiques, et ça, on ne sait pas. Donc, il faudra un peu attendre. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Sachant que nous avions décidé d'une priorité, en tout cas pour les États-Unis, en tout cas d'une alternance, si on ne pouvait pas faire les deux voyages la même année. Voilà. Bien. Et donc, l'année dernière, ce n'était pas notre tour, normalement. Voilà. Il arrive à grands pas. Là, c'est ça. Donc, oui, on n'aura peut-être pas, parce que la réunion.